Vous êtes les responsables de la mort de Cabral Nandji. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vous avez fait comprendre à Cabral Nandji que au Cameroun, pour avoir la gloire, il faut faire du bruit, il faut s'afficher, il faut montrer qu'on est fort et qu'on est grand. Quoi? D'ici deux semaines, nous allons même entendre que la mère de Cabral Nandji n'a même pas de quoi manger. Elle n'a rien. Yo! Salut chers fans, c'est votre humble serviteur Manno Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Après l'enterrement de Cabral Nandji, le commissaire Zogo a fait une sortie où il a dit beaucoup de vérités. Il a dit oui, Cabral Nandji est mort. À son enterrement, il y a eu du monde. Il y a eu beaucoup de superstars. Il y a eu des ministres. Presque toute la population camerounaise était à l'enterrement de Cabral Nandji. Mais ce qui est sûr est que juste après l'enterrement de Cabral Nandji, la maman de Cabral Nandji serait abandonnée à elle-même. Oui, c'est une triste vérité que nous ne voulons pas accepter et que nous ne pouvons pas accepté. Il a dit, on a encouragé Cabral Nandji à faire du désordre. On l'a encouragé à faire du désordre, à faire les bruits. Mais juste après le décès de Cabral Nandji, on a vu où sa maman vivait. Oui, c'est des questions à se poser. Le commissaire Zogo, est-ce qu'il a raison dans cette sortie ou pas? En bref, regardez cette vidéo et on se retrouve juste après pour que chacun de nous puisse donner son point de vue en commentaire. Mon commissaire, continue. Vous avez cotisé de l'argent, vous êtes venu vous faire voir aux obsèques, vous avez vu des ruinards, chacun a affiché ses titres, chacun a montré comment il était grand, chacun a montré comment il était fort. Ça, c'est clair. Vous avez fait les directs, vous avez porté des beaux habits, des lunettes Louis Vuitton, des Babacoco à Chanel, vous avez mis vos beaux vêtements, ça n'a pas ressuscité Cabral Nandji. Ça, c'est clair. Dans une semaine, il y aura les asticots sur son corps. Ça, c'est clair. Sa pauvre mère est toujours dans cette vieille mansue, dans cette vieille cabane. Ça, c'est clair. C'est vous qui avez poussé Cabral Nandji devant à être exubérant, à être bavard, à afficher le luxe, à dire qu'il a beaucoup d'argent. Et à son âme, il est interdit de dire du mal des morts. Maman. Mais lorsque notre frère meurt violemment et tragiquement, à cause de vous, à cause du belge, vous êtes les responsables de la mort de Cabral Nandji. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vous avez fait comprendre à Cabral Nandji que au Cameroun, pour avoir la gloire, il faut faire du bruit, il faut s'afficher, il faut montrer qu'on est fort et qu'on est grand. Vous lui dites, va, fais le direct, dis que tu as beaucoup d'argent, dis que tu es fort, dis que... Mais quand le pauvre décède, on voit la cabane de sa mère, on dit, ouais, comment il nous montrait autant d'argent et sa mère vit dans des conditions pareilles. L'objectif est à deux, pas les forces des ténèbres. On a réussi l'exploit de transformer un drame, à savoir la mort violente et tragique de Cabral Nandji, en occasion pour se livrer aux orgies, en occasion de réjouissance, de mise en scène, de voyeurisme et d'épicurisme. Vous êtes donc rendu à Bangante. Il y a eu une foule immense. Vous avez bu, vous avez mangé, vous avez fait la fête. Et vous avez transformé un drame en ce qu'on appelle en orgie. Un drame a été transformé en fête. Aujourd'hui, la pauvre mère de Cabral Nandji, est restée seule à Bangante. Papa, continue. Vous êtes rentré chez vous, retrouvez vos mères, vos pères, vos femmes, vos enfants. Tu as raison. Cabral Nandji a été enterré. Personne n'est allé avec lui. Personne n'est resté au village pour dire que, par solidarité, moi je reste dans ce village avec la mère de Cabral Nandji. Vous êtes venu parader hier, le bal des stars, le défilé des stars. Vous avez fait des selfies, vous avez bu manger, vous avez fait des directs. Le monde entier vous a vu. Qu'est-ce que ça a changé dans la situation du pauvre Cabral Nandji qui est mort, que vous avez trompé? Je m'interroge. Le voilà, voilà sa pauvre famille restée seule. Ça c'est clair. Vous avez fait croire à Cabral Nandji qu'il était zigli. Vous l'avez poussé à s'afficher, à s'exposer. Ça c'est clair. Vous avez donc assisté. Vous avez bu, vous avez mangé, vous avez tout fait. Et le pauvre Cabral Nandji se retrouve dans sa tombe tout seul. Ça c'est clair. Les asticots vont commencer à le dévorer. Maman. Vous êtes rentré chez vous. Rejoignez vos mamans. Rejoignez vos femmes. Rejoignez vos papas. Ça c'est clair. Et aujourd'hui, le pauvre est resté à Bangante. Vous êtes rentré, les discours lénifiants à gauche à droite. Vous avez mangé, vous avez fait les photos, vous avez fait le bruit. Vous l'avez poussé lui-même à faire du bruit, à vivre dans le bruit, à mourir dans le bruit, à être enterré dans le bruit,
Après ce bruit, chacun est rentré chez lui, kounya, kounya, kounya. Tranquillement. Ça, c'est clair. Vous aimez Tio Cabral, personne ne s'est immolé là-bas au nom de Cabral. Ça, c'est clair. Même loi, moi, Minga. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi? L'homme noir, dites-nous pourquoi vous êtes méchant? Quand les pharaons mouraient avant, on les enterrait avec leurs femmes. Pourquoi? Personne ne s'est sacrifié pour Cabral Nandji. Vous l'aignez tant. Vous avez bu, vous avez mangé, vous êtes rentré chez vous. Comment c'est malheureux? Vous l'avez poussé à vivre dans le bruit, à vivre dans l'exubérance, à vivre dans. Vous êtes venu faire du bruit jusqu'à la dernière minute. Et vous avez fini. Vous êtes parti chez vous. La pauvre mère se retrouve à Bangante, toute seule. J'espère même que tout l'argent que vous avez cotisé là, vous avez laissé une partie pour la mère. Maman. J'espère que vous avez laissé une petite partie pour la mère de Cabral Nandji. Maman. J'espère que vous n'êtes pas seulement allé là-bas que, oh voilà les Muriel Blanche, oh voilà les Bassessi, oh voilà les Bassela. J'espère que vous avez laissé un peu d'argent pour la mère de Cabral Nandji. Oui. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grain d'Afrique 1, chez Joël de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleures prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le blé d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grillé d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75018 Paris. Toutes les stars, les ministres, la Badjo, j'ai suivi même une déclaration d'une ministre là, j'ai dit que celle-ci même dit à l'autre. Cela me rappelle étrangement. Quel message dont vous envoyez à la jeunesse, c'est que il est bon de mourir tragiquement et violemment à 33 ans. Et quand tu meurs violemment et tragiquement, tu auras des obsèques grandioses. Laisse mon frère. Hey. Voilà le message qu'on a fait passer à la jeunesse camerounaise qui nous regarde. Prenez vos voitures. Prenez l'axe lourd, allez mourir aussi violemment. Et comme ça, les gens vont venir beaucoup à vos obsèques. Les ministres vont venir, les stars vont venir. On va vous enterrer dans le bruit et on va voir ce que ça va changer. Voilà le message qu'on véhicule à notre jeunesse. Mon commissaire, tu dis qu'ils ont transmis quel message à la jeunesse de notre continent, le Cameroun? Qu'il est bon de mourir violemment et tragiquement à 33 ans. De mener une vie ordalique, d'exubérance et de bruit. Et c'est quoi comme ça, mon commissaire? C'est une bonne publicité pour les adeptes des ténèbres. Leur objectif est atteint. Quand tu vis de manière exubérante en faisant du bruit, tu meurs dans le bruit, on t'enterre dans le bruit, il y aura des ministres. Et qu'est-ce que sa famille aura gagné dans ça? Les trois ministres qui sont venus, j'espère qu'ils vont construire la maison à la maman de Cabrel. J'espère qu'après ça, ils vont continuer à l'aider. Et le décès d'homme de Cabrel, à 33 ans, me rappelle beaucoup de choses. Sa mort me rappelle beaucoup de choses. Cabrel est mort à 33 ans, comme Jésus-Christ. C'est le Messie. Il est mort pour sauver l'humanité. Et toute l'humanité était à Bangante pour assister à l'enterrement du Messie mort à 33 ans. Je ne savais pas que c'était un Messie, mon commissaire. Mais continue. Tout le monde est sorti des taudis, des bas-fonds. Tout le monde a fait des selfies. Tout le monde a mis ses beaux vêtements. Des ministres sont venus. Mais ça n'a pas ressuscité Cabrel. Pourquoi? Parce que vous lui avez fait croire qu'en mourant en 33 ans comme Jésus-Christ, il va ressusciter des morts. Nous attendons le troisième jour donc pour voir notre... Regrettez qu'Abraham Nandji ressuscité des morts. Tu as raison. C'est vous qui l'avez poussé dans cette mort même. Vous êtes allé en masse. Nous n'avons pas vu la résurrection. Malgré la présence des trois ministres de la foule sortie, nombreuses. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Il est mort à 33 ans. Vous qui lui avez fait croire que s'il meurt à 33 ans. Vous qui lui avez fait croire que s'il meurt à 33 ans, il va sauver l'humanité. Il va ressusciter des morts. Il n'est donc pas ressuscité. Vous l'avez trompé. Vous l'avez trompé. Vous êtes des méchants. Vous venez là. Construisez au moins une maison à sa mère. Construisons au moins une maison à sa mère. Attends, je m'installe d'abord pour bien écouter. Jésus-Christ est mort à 33 ans, mais il est ressuscité. Il a été élevé à la divinité. Vous êtes allé lui raconter des histoires là-bas. Et aujourd'hui, on se rend compte que vous l'avez berné. Le voilà maintenant en train de pourrir dans la tombe avec les asticots. Vous continuez à vivre. Vous continuez à vous occuper de vos femmes, de vos enfants, de vos mères et de vos pères. Mon Dieu. Que retenir de ça? Mon commissaire, je ne sais pas.
Explique-nous seulement. Il faut mourir violemment. Il faut mourir tragiquement. Comme ça, les ministres vont venir au deuil. Il y aura les stars. On va faire du bruit. Tout ça, ça change quoi? Rien. Ça change rien. On l'a perdu. Il est parti. Ouais, c'est vraiment malheureux. Continue. Qu'est-ce que sa famille gagne dans ça? Rien. Que gagne la jeunesse qui le prenait pour un modèle? Rien. Brandir des millions. Alors que ses parents vivent à la belle étoile. Il fallait lui donner des conseils. Vous ne lui avez pas donné ses conseils. Vous qui marchez avec lui, les ministres, aidez-le au moins à faire une maison à sa mère, rien. Mais vous venez au deuil. Oh, non, Paul Biya dit que vous représentez quel Paul Biya. Allez là-bas. Allez là-bas. Quelle autre leçon à tirer de cette mort? C'est que ne trompez pas les gens. Vous prenez l'argent, vous leur donnez, alors que leur famille vit dans la misère. Autre leçon à tirer, c'est l'état de nos hôpitaux. Dès que quelqu'un fait l'accident, vous avez vu Aïdé et Akribi, il meurt. On ne peut sauver aucune vie. Dès que quelqu'un fait l'accident, il meurt. Il n'y a rien. L'état de nos hôpitaux, l'état de nos routes et de la sécurité routière. Des gens qui meurent chaque jour et violemment. On ne peut sauver aucune vie. On ne peut sauver aucune vie. Et en dernier lieu, la question des loges. Je ne dis pas que c'est le cas pour Cabrel, la question des loges. L'état de nos routes, l'état de nos hôpitaux, la vie du bruit et la question des loges. Qui refait surface, vivre heureux et mourir jeune. Je n'ai pas dit que c'est le cas pour Cabrel Nandji. Mais ces morts en série, les Samy le Noir, les Blaise Calabas, les Cabrel nous ramènent à une chose, la question des loges au Cameroun. Vivre heureux et mourir jeune. Vivre heureux et mourir jeune. Dans le bruit, 33 ans, voilà, vous aurez au moins dépassé 33 ans, je rends grâce à Dieu. Vous poussez les gens à vivre dans le bruit. Vous poussez les gens à servir de mauvaise conscience, de mauvais exemple. Et quand ça tourne mal, quand ça rame, comme on dit dans des tournures idiomatiques camerounaises, vous n'êtes plus là. Personne n'a été enterré avec Cabrel. S'il venait même là, Cabrel se relevait. Vous vous souvenez de ce film Le Revenant? Tout le monde allait se sauver. Vous êtes venu faire semblant que vous l'aimiez trop. Mais personne n'est mort avec lui. Et je suis sûr qu'abandonné à ce moment, tout le monde est reparti. Bienvenue dans le nouveau local du Café Restaurant Aquanor. Papa est là. Au Café Restaurant Aquanor, c'est la propriété, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le Café Restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le Café Aquanor pour vos mini événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a plus personne, tout le monde est parti. Donc, la mort de ce jeune compatriote, sa disparition me rappelle l'euphorie suscitée lors du décès tragique de Didier Arafat. Didier Arafat a vécu dans le bruit. Il est mort dans le bruit. On l'a enterré dans le bruit. Et à la suite de sa mort, cette mort me rappelle la mort de Didier Arafat et l'euphorie suscitée par cette mort. Didier Arafat a vécu dans le bruit, il est mort dans le bruit, on l'a enterré dans le bruit. Et après, lui, une mort violente à 33 ans. Et après, Didier Arafat, son parrain l'a suivi. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est mort après. Je ne souhaite la mort de personne. Il y a des similitudes étranges entre cette mort de Cabrel Nandji et celle de Didier Arafat. J'espère qu'il n'y aura pas la suite comme pour Didier Arafat. Vous avez vu des ministres, des stars. Et après, les Ahmed Bakayoko sont morts. Ils sont morts. Faites donc attention. J'espère que vous ne connaissez rien dans cette mort. Parce que tout se paye ici. Bah, je ne souhaite de malheur à personne. Mais nous disons tout ce que nous avons vu. Les similitudes entre Didier Arafat et Cabrel Nandji. Les parents sont morts après Ahmed Bakayoko en bas. Les parents sont morts après. Alors, quel message donc sur ces deux décès similaires? Mort de Cabrel, mort de Samy. On attend donc de voir. Comme il y a donc cette compétition entre les Ekang et nos frères Bamileke, ils ont enterré. Cabrel est mort dans le bruit. Il a vécu dans le bruit. On l'a enterré dans le bruit. Samy le Noir a vécu dans le bruit. Il est mort dans le bruit. On attend de voir aussi les obsèques de notre frère Samy le Noir. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Mais il a dit beaucoup de vérité. Hein? Moi, mon commissaire,
Je pense que tu as dit beaucoup de vérité. Oh, il faut qu'on construise la maison à la maman de Kabenandi. Oui, c'est la vérité. Il faut que, parce que s'il y a eu du monde là-bas et qu'après on laisse sa maman vivre dans la même maison que tout le monde a vu là-bas. Là. Parce que l'argent qu'on a cotisé là, on pouvait, bon. J'espère qu'on a coupé l'autre pour mettre à côté, comme après on va construire une petite maison à la maman de Kabenandi. Mon commissaire, moi j'adhère seulement à tes propos, quoi. Aïcha, s'il te plaît, continue notre vidéo en bas, maman. Passez une belle et agréable nuit. Que la paix du Christ soit avec vous. Mes chers fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NONSABI. Voilà comment NONSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NONSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour mon lecteur. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. Ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un Kikong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un Kikong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du Victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto a réussi au football. Rodelli, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es qui comme?